أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Tout grand Dieu pour l'un, celui qui veut de nous permission pour nous joindre sur la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grand Dieu, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'Allah sur ses invités et Allah sur mes sages. Nous tous nous connaissons, aujourd'hui le 8 novembre 2019, c'est... Ce qui nous peut attendre, l'île Maurice peut attendre, c'est le résultat de l'élection qui finit hier. Et nous, ce qui nous peut proposer aujourd'hui, de ces quelques 20 minutes qui nous passent, Inch'Allah, c'est une petite réflexion par rapport à un leadership musulman. Dans quelques temps, selon le cours normal des choses, pour en environ 8 à 10 députés musulmans qui vous élisent pour prochain mandat. Sa bande députés musulmans qui vous élisent là, qui sont dévoués, qui sont aidants, et qui nous, nous rôle comme mandant dans ce processus-là. Point de départ, ce que je fais rappeler la fois passée, qu'un musulman est défini par une série de principes qui sont dignes de lui. Ce qui donne moi une identité, c'est mon principe qui, Coran et Sunna, diman qui m'a besoin de sauver en moi. Pas juste dans ma zid, dans mon lakaz, dans l'ari, dans le bazar, et qui m'a besoin de faire que, autant que possible, ce bon valeur-là, ce bon principe-là, prévaloir de société autour de moi. Et dans tel contexte, quand nous disons, pour une, nous disons 8 à 10 députés musulmans qui pour élire dans quelques temps, est-ce que c'est un leader musulman qui peut venir? Réponse là, des nuances. Et nous sommes capables de conscients de sa nuance qu'il y a. Oui et non. Dans le sens, qu'est-ce que nous disons? Leadership musulman, c'est une institution qui, à travers les temps, connaît une certaine évolution. Pareil comme, par exemple, nos madrasas. Nos madrasas, comme les étaient dans, nous dire, dans Bagdad, dans l'Espagne, à l'âge d'or de l'islam, et qu'aujourd'hui, nos madrasas, connaît une évolution. Un enfant qui a le madrasa, nous dire, dans l'Espagne, au
nous dire 8e, 9e siècle, dans sa madrasa là, lui pour apprendre mathématiques, algèbre, trigonométrie, fiqh, hifz, langues arabes, sciences, l'histoire, tout mélange ensemble. Avec les temps, il, madrasa, fincon, nous appelons une ségrégation. Finina, azoudi, ça que nous dit, une éducation séculière. C'est-à-dire, nous avons à l'école primaire, l'école secondaire, il y a pas de mathématiques, il y a pas de l'économie, il y a pas de sciences, tout cela c'est séculier. Tout ça, qui nous dit, l'éducation religieuse, ça nous gagne dans madrasa, dans masjid, dans darul uloum. Donc, avec les temps, finina, une séparation au niveau ilm, nous avons donc l'éducation séculière et l'éducation qu'on appelle islamique. Pareillement, au niveau leadership, finalement, même développement, même évolution à travers l'histoire. Quand nous avons Omar ibn Khattab, il dit à la fois, quand il vient Khalifa, il est en sauce. Il est en sauce, c'est que nous dire, Oumma, son évolution sociale, son évolution économique, politique et également spirituelle. Comme chef, comme Khalifa, il est en sauce pour organiser l'armée, pour promouvoir le commerce, pour grandir la rue, pour occuper la santé, la population, en même temps pour répondre à des questions faites, pour préparer l'éducation de l'homme. Tout cela se trouve dans une seule institution de Khilafa. Avec les temps, ça est, pareillement dans le domaine de l'éducation, finit dans une division, dans une ségrégation, dans un leadership qu'on appelle séculier, avec un leadership qu'on appelle religieux. Leadership séculier, c'est ça qui est un député qui va dans le Parlement, qui est un conseiller municipal, qui est élu, par exemple, pour diriger ce village, c'est un leadership séculier. Aucun député qui est élu à l'air, personne ne peut dire où, connaît, vote-moi, quand je suis élu, je pour rendre 5 nouveaux masjids dans sa circonscription numéro 3. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire, vote-moi. Comme on est libre, on permet un programme réforme de madrasa, nous pour introduire une madrasa pour qu'il nous capable de faire de madrasa une plus habilité pour répondre aux défis du 21e siècle. Non. Personne ne peut dire au votement, on peut venir avec une réforme du système collecte, distribution, zakat, nous pour éliminer la pauvreté dans la communauté musulmane. Non. Ce qui est concerné, c'est rendre la rue, rendre l'école, sécurité dans l'endroit, prothèse, ban mandant, compte, ban fléau social, c'est un leadership séculier. Parallèle à ça, nous sommes au niveau nous, ban masjid, au niveau nous, ban mouvement islamique, ban force vive musulmane, nous avons un autre leadership, qu'on appelle un leadership religieux. C'est ça le leadership qui occupe, par exemple, c'est nous qui décide, nous, madrasa, qui est pour commencer, qui est pour finir, qui pour enseigner. Ça, c'est un autre leadership qui est parallèle, mais qui lui existait depuis 200 années dans le pays Maurice. Lila. Ce qui fait comprendre que ça, des leaderships là dans la tête, c'est bien clair. Nous avons un leadership séculier et nous avons un leadership appelé religieux ou bien islamique. Mais tout le monde qui est pour Eli, je n'ai pas aucun mot à dire dans l'espace religieux. À la rigueur, je présence, c'est une présence symbolique, c'est un député, ministre musulman là. Ou capable d'attendre pour vous autres. Puis organiser un petit iftar party dans le Ramadan. Un petit Eid party, il embrasse Hadji dans l'aéroport quand Hadji peut aller. C'est ça sa présence, minimale. Et nous, comme communauté, nous préservons sa différence-là. Nous préservons-les très bien, jalousement, nous préservons-les. Nous tous nous connaissons. 10 mai, dans Masjid, nous décidons de faire une prize-giving cérémonie. Nous allons inviter tel ministre musulman, ou pour 40 lettres anonymes, pour dire président, fais attention là, hein? Nous parlons de la cause dans Masjid. Parce qu'il nous préserve ça, l'espace religieux là, loin avec nous, avec nos leaderships séculiers. Et là, ça qui est bon, nous comprenons, c'est sa leadership. Et leadership, nous disons, qui vous dans le Parlement, qui nous appelle un leadership, appelé parlementaire, intra-parlementaire, et sa leadership en dehors là, c'est ça qui complémente un à l'autre pour donner une direction ça, au mat là. Donner une direction. Et ça, ben, depuis là, libon nous comprend sa nuance là, parce que sinon, l'un qui est tout brouillé dans nous la tête,
Il n'est pas trop clair qui nous attend des autres, qui ne nous pas attend des autres. L'un qui nous rend dans le domaine contradiction. Quand on trouve un député, puis un bel lacaz, on dit, c'est un bel lacaz. Quand on parle de Ben Khattab, tu me mets 15 pièces. Là, on parle de Ben Khattab. Si je sors de l'hôpital, je suis en train où maman attend des ans à opérer parce qu'il y a 2000 dimons avant lui, je viens de député et il y a un tracé de pour moi. Les mêmes qui, grand matin, ont envie à Al-Khattab, tantôt ont envie de casser contour. Mon petit, il fait une presque fail dans le résultat, dans l'examen CPE, je viens de député et il y a un coup. Et s'il pas réussi, peut-être qu'on est dans un savant de député, je dis, toi, ça gaspille ça. Un seul service, je m'en dis dans 5 ans, un seul service. Mon garçon termine CP, moi j'ai fait des mosses de gagner SSS Bell Village, ça aussi bien qu'on va faire. Je sais, mais, mon garçon, quel résultat tu gagnes? On fait pas trop bon, on a 3 CDF, mais, tu connais, toi, mon j'ai allé. Moi j'ai fait ça aussi bien qu'on va faire. J'ai dit, ah bon, 3 CDF pour SSS Bell Village. Moi j'ai dit, on a un député, fait tout le monde dirty work. Quand on a un long claim MRA, on a un coup de bail là, j'ai dit, il y a un coup de bêta. Tout le monde contacte là-bas, c'est 400 coups pour moi. Mais j'ai dit, ne me pas trop clair de la tête. Nous demandons député grand matin Al-Khattab, nous attendons sa rigueur, sa droiture, la grand matin Al-Khattab, tantôt Al-Capone. Tout ce qui m'a bossé, vous avez dit vous faire. Il n'est pas clair. Ce qui nous a capable de finir pour comprendre une seule fois pour toutes, qui y était, quand cela mort était, et qui nous attend en retour. Et ce qui nous attend en retour, vous dire que numéro un, moi-même, je pratique. Si moi-même, je triangle, je ne peux pas attendre un député qui, comme nous disons, la fois passée, pour amener la justice, pour amener l'intégrité. Non. C'est que si moi-même, j'ai envie qu'il s'abandonne député, là, je viens de l'avant, je viens un miroir qui amène un principe islamique, il faut dire que moi-même, dans mon avis, mon droit, je ne peux pas guérir les autres pour faire tout mon travail qu'à bosser. Je ne peux pas avoir une nièce qui sortit triolée, je vais être député pour lui gagner à l'école Villiers-René. C'est ça qu'il ne va pas capable de comprendre. C'est que si nous-mêmes nous trianguer dans nos façons qui nous opérer, automatiquement nous devrions être députés trianguer. C'est que si nous avons envie de être députés, de être véritable, nous dire, pas modèle, mais quand même, des gens qui amènent la justice, qui reflète ça, des valeurs, des principes qui nous dire, nous fidèles envers ça, il faut dire que nous-mêmes, dans la vie tous les jours, nous restons fidèles envers ces principes-là. Donc ça, c'est un premier point par rapport à. Par rapport à responsabilité, nous, bande députés, et nous relâchons envers les autres. Mais en même temps, il y a ce que nous dit, c'est un leadership extra-parlementaire, en dehors du Parlement, dans le masjid, dans le mouvement islamique. Et ça, c'est un leadership qui, malheureusement, musulman, il sous-estime ce porté. Et là, ben, l'exemple dit en haut. Si nous connaissons structurer ça, sa communauté là. Si nous travaillons, nous avons des ressources, nous avons des structures, sa leadership parallèle qui est en dehors du Parlement, il est capable de 1 000 fois, 10 000 fois plus efficace que le leadership parlementaire. Écoute ça, je dis ça. L'exemple est devant nous. Un exemple parmi tant d'autres. 2017, octobre 2017. Un vice-premier ministre de ce pays là. Il fait une déclaration qui est interprétée comme si dirait insulter toute une communauté. Nous ne pouvons pas prendre ça qu'il a dit, ça d'ailleurs la cour finit de prononcer là. Quand là il finit de faire ça, commence et dans sa vidéo là, commence à sortir partout et dans la mobilisation, la presse prend position, la force vive prend position, puis la réaction. Vendredi, le 10 novembre 2017. Chef de l'église catholique descend dans le bureau du premier ministre. 30 minutes après, sa politicien musulmane a perdu son poste vice-premier ministre, il a perdu son poste ministre, son carrière politique fini, il n'a pas gagné un ticket dans cette élection qui traverse là. Ça, c'est le leadership en dehors du Parlement. Quand là, une communauté qu'on organise, qu'on structure, qu'on travaille sur les ressources qu'il y a, sur la voie, il vient 10 fois, 10 000 fois. Plus fort qui dans le Parlement. Son efficacité pour promouvoir son intérêt vient plus fort. Mais malheureusement, nous avons un gros travail qui nous a continué. Alhamdoulilah, nous, dans Masjid Nour Islam, nous sommes capables, avec fierté, de dire qu'il y a un travail comme ça qui a commencé en 1987. Nous avons salué Bandimoun qui a sa vision là, Imam Mustafa Biari, Isaac Djunka, qui travaille pour nous,
effectivement, en nous dire pour galvaniser ce leadership-là. Et première question que j'ai demandé, c'est que sa communauté-là a besoin de sa maturité pour comprendre qu'il y a ce bon enjeu national. Il a besoin de prendre des côtés, il met tout ce bon divergence des côtés. Rotsun na djama, tablik djama, taori djama, tout le monde travaille ensemble pour capable nous dire amène travail de l'intérêt de sa communauté-là. Nous disons donc qu'il existe, que nous restons reste conscients, qu'il y a des gens qui continuent de travailler, qui sont des grands frères, qui sont capables de donner, réorganiser sa leadership. Le design Ali, c'est une réorganisation restructurée pour qu'effectivement, avec les temps, il y ait une crédibilité, il y ait une respectabilité vis-à-vis du pouvoir. Donc ça, c'est par rapport à leadership musulman dans le Parlement et en dehors du Parlement. Pour attirer l'un, nous poser une question, mais si nous pouvons organiser le leadership musulman, défendre l'intérêt musulman, qui ça veut dire ça? Travailler pour succès musulman, qui veut dire ça? Est-ce qu'ils nous attendent que ça dise député dans le Parlement là, faire des efforts pour que ces musulmans qui gagnent plus meilleur bout de la place qui restait dans ce pays là? Ces musulmans qui gagnent plus de bout de crown land, plus de bout de state land qui existe dans ce pays là? Asi a zot ki tout ban gros contrat c'est musulman qui gagnait, tout ban gros tender pour million c'est musulman qui gagnait, c'est ça qui nous veut dire là, qui nous conception de travail pour succès la communauté musulmane. Donc nous la tête s'arrête parmi nous qui nous si tiennent pose de question, qui veut dire une communauté qui ne fait succès, qui veut dire une communauté musulmane dans l'île Maurice 200 000 du monde qui ne fait succès, qui veut dire ça? Tous les 200 000 du monde, j'ai un gros compte dans la banque qui traverse millions. Chaque famille a un Jaguar dans son garage. Ça qui appelle succès pour nous. C'est qu'il retourne à nos références, prendre un exonère. Dans nos dictionnaires, qui veut dire un musulman qui ne fait succès? Qui veut dire une communauté qui ne fait succès? Numéro un, point de départ, une communauté qui ne fait succès, c'est une communauté qui ne réussit, réalise ce bon devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, c'est ça la première définition de succès. Blier succès, si dans les namaz Fajr, dans mon lacage, trois générations du monde peuvent ronfler. Dada, dadi, papa, petit, tout peut ronfler, blier succès. Nous, conception de succès, invariablement, commence avec nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, ça que nous build up, quand nous rentrons en phase D, c'est là que nous avons débuté de rentrer en action, c'est qui. Nous redire ce qui définit moi comme musulman, c'est mon bon principe. Ce qui définit sa communauté-là, ces 200 000 dimouns-là, c'est mon principe. Et donc, ce qui nous est là comme devoir, travail pour qui nous bon principe prévaloir dans l'espace public. Travail pour qui nous bon principe prévaloir dans l'espace public. Veut dire la justice, l'intégrité, générosité, sincérité, la droiture, tout ce bon valeur là, tout ce bon principe là, prévaloir dans l'espace social, dans l'espace économique, dans l'espace politique. C'est ça, ça. Bien souvent, nous faisons un erreur. Quand nous finissons cause, nous bon députés, tout de suite, nous venons là, je dis bien protéger nous bon droit. Non. Principe islamique, c'est devoir avant droit. Principe islamique, ces devoirs passent tout le temps avant droit. Nous exécutons, nous avons des devoirs avant, après ça, nous prenons compte du droit. Ça, c'est un gros erreur. Un erreur. Donc, quand nous venons d'une perspective islamique, basant le principe-là qui dit qu'un musulman, tout le temps, l'imagine ce devoir avant, ce droit après. Nous disons comme 200 000 musulmans dans ce pays-là, ce que nous demandons, c'est nous devoirs avant et nous droits après. Nous devoirs, quand nous allons viser à ce qui s'appelle le principe-là, prévaloir dans l'espace public. Et là, quand nous disons ça, automatiquement, nous rentrons en conflit, nous rentrons en confrontation à tout ce bon force occulte, tout ce bon lobby qui peut travailler, lobby sioniste, franc-maçonnerie, lobby LGBT, tout bon qui peut travailler, pour qui nous arrivons à croire que notre succès trouve dans rebelle contre bon Dieu. Plus ou rebelle contre Allah, plus ou faire succès. Ça, c'est un lobby qui peut travailler. Faire quoi? Plus ou libre, quand on accepte qu'un homme marié qu'un homme. Je veux dire, quand on est éclairé, quand on est moderne, nous, automatiquement, quand on nous dit non, nous travaillons pour nous, un principe, ou pour rentrer en conflit, ça va
avec cette force occulte là. Et c'est ce que nous demandons avec nous-mêmes, députés, à ce niveau-là, nous sommes pour bizarre et fidèle envers ce bon principe qui anime nous quand dimanche dans le Parlement, on a débat par rapport à, nous disons, à l'homosexualité, à l'égalisme grandien, à dépénaliser sodomie. Nous attendons que cette position devienne un reflet de nos bons principes. Premièrement. En même temps, par rapport à nos bons devoirs, c'est qu'il est bien clair. Dans l'islam, si nous sommes pour résumer en un mot nos bons devoirs, c'est donner. C'est donner. Tout dans le message de l'islam, il est centré dans le don. Qu'il soit nos messages sociaux, nos messages économiques, nos messages politiques, il trouve dans sa notion de donner, offrir, partager, venir avec ta contribution. Et non pas ramasser, coquin, accaparer, accumuler. Ça peut n'a rien du tout dans nos messages. À partir de là, ce que nous sommes capables de comprendre, c'est que nous, comme communauté, nous sommes capables de développer sa capacité de donner. Vous allez dire, tout dans l'islam, nous redire, tout dans l'islam centré autour de sa notion du don. Faman a'ta wa taqa, c'est lui qui donnait. Et il cultive taqwa. Wa saddaqa bil husna, et il croit dans le bien. Al husna, il croit dans tous ces bons principes que nous redire, comment sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, sens de justice, l'esprit sacrifice dans al husna, fasa nu yassiruhu lil yusra, nous pour faciliter ce chemin vers l'aisance. Tu comprends? Qui nous, dans nos conceptions, plus nous appliquons le principe, plus ce pays-là va prospérer. Par exemple, la justice, plus nous avons député montre notre justice, plus pour nous l'aide mondiale, plus pour la prospérité dans le pays Maurice. Une parole qui résume sa vérité-là, nous avons la parole de Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il dit « Allahu yansur al-dawla al-adila wa in kanat kafiratan » Allah Ta'ala, il peut aider un État qui existe, même si c'est ban non-musulman. « Wa la yansur al-dawla al-zalima wa in kanat mu'minatan » Allah ne peut aider un État qui insiste, qui zalim, qui pratique discrimination, « wa in kanat mu'minatan » Même si là-dedans, ils ont tous ban mu'min. C'est fait nous comprendre qu'il dit, mais si par exemple, demain au retour de Parlement, où il y a 60 hommes, madame qui est musulmane, qui n'a pas la barbe, qui porte hijab. Si je insiste, si je pratique l'injustice, discrimination, pas pour aller dans là. Alors, pas pour aller dans là, pour la prospérité, pour la paix. Le contraire est exactement vrai. Il y a 70 personnes dans le Parlement qui ne sont pas musulmanes, mais je pratique la justice pour aller bon Dieu dans ce pays-là, pour la prospérité. C'est sa vérité-là, ça. Ça découle de nos notions de justice. Et demande quelque chose qui a lié par rapport à le discours politique de l'islam, ou demande quelque chose qui nous prend 5000 bananes moins pour nous capables de comprendre sa profondeur, sa pensée là. Car ici, nous pécons de la justice, quand nous pécons de le don, ce qui nous capable de donner à sa communauté, à sa pays là, c'est nous demande principe. Ce qui nous capable de donner à sa pays là, c'est la générosité. Parce que nous croyons dans une logique qui plus nous donner, plus Allah vous donne nous. Ça, c'est le cas des mathématiques, ça. Une mathématique qui est orientée par le Coran, par le Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous causons donner, c'est toute une philosophie, ça. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît, il quitte Makkah, quand il y a des pièces qui sont battues, qui sont toutes les violences, toutes les tortures contre lui, et que ce monde, je viens de Madina. Là, dans Madina, quand je viens, je viens de Makkah, fait une série d'attaques avec qui l'objectif détruire le prophète là, déraciner l'islam, le chavas la terre. Je fais première attaque, Badr, deuxième, troisième. Après trois attaques, je gagne la famine dans Makkah. La famine dans Makkah. Imagine moi qui dans salle avec le prophète dans Makkah. Quelle réaction tu pourrais être? Tu veux y aller sur là? Il était là, la malédiction peut descendre. Alors je vais payer, là-bas la famine. Quand Abu Sufyan dit, ça la famille-là, nous, 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 la peau samo pour survivre. Ici, c'est rahmatul lil alamin. Quand le prophète Tansa, il a envoyé 500 pièces d'eau avec un cargaison mangé pour le monde de Makkah. Il dit, mais écoute, il y a Rasulallah. Banne une pièce qui est nous, banne une tortue nous, je n'amène trois l'attaque pour faire finir nous. Quand les autres gagnent la famine,
profite avec 500 pièces l'eau, avec une cargaison. Regarde, on ne comprend pas la logique là. C'est ça? The political dimension of Rahma. C'est ça, c'est la soula, il amène sa communauté là. Pour qui? Nous combattre la haine, qui est l'instinct bestial, pas par la haine, par la compassion. Nous combattre tout bon, nous combattre dire tout ça qui peut être vil, qui est dans l'humanité, par une éthique morale qui est supérieure. Par une éthique morale qui pousse tout vers la noblesse, vers la distinction, vers personne. C'est ça, ça. Dans un lien, si nous, dans si nous avec le prophète, c'est le lien dans cela. Dans ma canne, il y a des gens qui ont mangé, ils ont des temps pour survivre avec un peu d'eau. Là-bas, on peut casser pour ma canne. C'est que ça, dans cela, montre nous d'un cadre clair, qui nos conceptions de dignité, c'est dignité sans frontières. Pour faire comprendre, en 2019, si nous avons pour mettre ça sur la pratique, faire comprendre qu'il y a des habitants en pleine verre, pas attendre que tout le monde dans Valais plutôt vienne millionnaire. Pour qu'on se prendre compte de ce qui peut traverser dans Rosebois. C'est ça l'application, ça sonne là. C'est faire nous comprendre que dans sa rassoule, là, son mathématique, dans sa conception, c'est qu'il nous besoin de travail. Quand elle nous besoin de travail pour succès de nous ban, c'est qui? C'est musulman. En même temps, tout ban qui peut subir l'oppression, tout ban veuve, orphelin, travailleur bangladais, tout ban madame qui peut souffrir violence conjugale dans l'anonymat, tout ça ban victime l'injustice là, c'est nous ban ça. Et ça ban di moun là, nous pouvons, nous efforcer que nous sommes capables de redonner à chacun ça ban di moun là, notre dignité. C'est ça, sa notion, c'est ça le discours politique de l'islam dans sa contexte là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نرجيه. quand nous guettons une anecdote dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons comprendre qui veut dire rahmatul lil alamin. Qui veut dire quelqu'un qui vient comme une véritable miséricorde. Miséricorde et pour musulmans, et également pour ce même propre, l'ennemi aussi. Pas juste pour arabes, pas juste pour musulmans, pour l'univers en entier. Je vais donner déjà une anecdote. Inondation de Médina. Inondation là, crase surtout, dans le faubourg de Médina, côté de l'habitation juive. Dans sa habitation crasée partout. Le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa nouvelle là, sa ban di moun la, ya rasoul la, la kaze krasé, ki ban juif dans faubourg. C'était ban ki tit actif, ban ki tout le temps fait complot contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'ailleurs, dans Khaïba, je prends l'occasion, je prends poison li, dans un gigot bouton, je mets poison. C'est sa ban di moun la ça. Khaïba, plita ça. Il se gagne une nouvelle, il connaît ki ban la pe fait complot. Ya rasoul, qui ou pou faire? Ban la sou la kaze krasé. Prophète dit, ouvert masjid nabawi. Ouvrir Masjid Nabawi, recevoir tous ces réfugiés là, et l'histoire d'hier, une série de communautés juives, hommes, femmes, enfants, viennent rester dans Masjid Nabawi, manger, boire, dormir, l'eau, frébé tout le mal. Ça c'est l'islam. Ça c'est Rahma dans cette dimension politique. Ça c'est action Rahma tout le alamin. Ça c'est un principe qui, moi, où nous sommes capables d'amener dans sa société là. Pour la dire, mais qui tu peux partager? Qui tu peux partager dans une société qui a été coquin, qui a été rempli, coffre par millions, 100 millions, 200 millions? Nous partager? Ça contient nous naïfs, nous? C'est un erreur. C'est un principe qui m'a dit là, c'est un principe qui nous vive, existe dans l'aisance. Nous ne pouvons pas faire ça d'accord quand on pose plein. C'est qu'il s'appelle Inna alladhina qalu rabbana Allah thumma istaqamu. Ban ki dit Allah nous rab. Ensuite, je t'y ferme. Tu t'y ferme dans cette tawhid là. Tu t'y ferme dans tout bon principe qui découle de cette tawhid là. C'est ça le point de départ. Quand on est honnête dans l'islam, on est honnête la cause Allah. Quand on est juste la cause Allah. Quand on est généré, on est généré la cause Allah. Après, c'est ça qui fait ça. C'est comme un istiqama. Veut dire plus contexte là vient défavorable. Plus. Je vais montrer ma fidélité envers mon principe. Plus tu rentres dans un pays où des gens coquins, des gens corrompus, des gens volés, remplis coffres par millions, donne beau frère, 200 millions, 300 millions, plus mon bon principe du moment qui devient pratique, l'intégrité que tu étais.
C'est que le fait que l'autre côté a 200 millions mal gagnés, pas permettre-moi de prendre même 5 sous, même un paquet de sous comme bribe avec une mention de la foi. C'est ça l'islam. Plus le contexte est défavorable, plus je vais montrer moi fidèle envers mon principe. Plus dire mon vin égoïste, plus dire mon vin accaparé, plus dire mon vin égocentrique, plus moi, mon référence, je vais vous importer, je vais vous pratiquer la générosité. Plus dire mon vin communaliste, vin sectaire, vin sectariste, plus l'islam pousse moi pour venir vers l'ouverture, à vers les autres. C'est ça nous dit, c'est ça nous dit le principe. Et dans ce travail-là, ce qui nous apprend, ce qui nous attend, qui nous ban député, vient complément de ce travail-là. Qui nous ban député, vient complément de ce travail par rapport à faire que nous ban principe prévaloir dans l'espace public. Ce qui nous dit qu'en 2019, c'est inacceptable, aujourd'hui, inacceptable, indigne, qui nous pas capable d'accepter comme musulmans, qui par exemple, il suffit qu'un dimon, l'inné, dans batterie cassée, dans carocalyptis, dans cité sébelle, pour qu'il retrouve lui, avec 40% sens pour résister par le système éducatif à l'âge de 10 ans. Et vous les retrouvez avec 50% sens pour retrouver soit comme un petit délinquant, soit avec un drogué à l'âge de 12 ans. C'est inacceptable. Ce qui nous attend de nous, députés, quand pour notre complément de ce travail qui nous a, nos missions, pour amener sa notion de dignité sans frontières, c'est que nous avons une bande de monde qui est capable de travailler. Travail pour qui dans surtout dans les milliers défavorisés, dans les faubourgs, et dans un certain, nous dit un certain travail qu'il fait pour que tous les enfants qui naissent dans ce même endroit-là, au moins, aient un minimum d'opportunités pour grandir, pour développer, pour épanouir dans la dignité. C'est-à-dire, ils aient un minimum accès à l'éducation, la santé, infrastructure pour pouvoir faire sport, sécurité contre les fléaux comme délinquance, la drogue, subitex ou bien synthétique. C'est ça que nous demandons. C'est ça nos messages. C'est ça que l'islam fait avec un mot revendication envers sa 10 dimoun, 9 dimoun qui pour élire. C'est que nous venons complémenter notre travail. Ce n'est pas un travail nouveau, ça. Ce n'est pas un travail nouveau. Nous tous ici, alhamdoulilah, quand tu as flash flood en 2017, quand on dit président Djuma Mazid débarque dans le canal d'Ayou avec un camion rempli de provisions, nous tous nous sentons honorés par sa zeste-là. Pour dire que c'est un travail qui déjà peut continuer. Mais seulement, les bisins développent, surtout à la base, nous avons besoin de comprendre que pour nous, musulmans, nos concepts de dignité, les pas arrêtent dans l'entrée Rosebois, ni les arrêtent le rond-point Trinkbar. Ce qui nous voulait, c'est la dignité pour tout le monde. On va mettre à table de l'Allah. Il y a même encore plus loin. Il fait comprendre que nous, comme musulmans, nous concernons pour bien-être. Tout le créatif de sa planète. Est-ce qu'il va lui dire la humaine est djidyoun, mais tuffel furat, la khashitu, en yuhansib Allahu Omar. Si un chikabrimo, le beau la rivière, l'Euphrate, dans l'Irak, dit dans Medina, il dit pour l'Euphrate, si un chikabrimo, le beau la rivière, l'Euphrate, mais pour payer qui est là, vous demandez, oh Omar, qui te fait pour protéger sa cabrila. C'est ça nos messages. C'est un message universel qui n'amène pas un rasoul qui rahmatul lil alamin, qui fait nous comprendre que nous devons avant, c'est pour travailler pour la dignité sans frontières, la dignité pour, nous comment dire, dans ce qui concerne nous, habitants l'île Maurice, plus souvent travailler au Bangladesh, souvent travailler en étranger qu'il a, tout le monde bise qu'il porte dans la dignité, parce que la dignité, c'est un cadeau qu'Allah donne à sa femme Adam alayhi salam. Nous terminons par le dernier bout. Quoi que nous conscients qu'il est en traversé, dernier bout, c'est que quand nous finissons nos devoirs, l'élan nous cause nos droits. Nos droits, c'est que le droit plus fondamental qui nous pouvait veiller, c'est que le droit pour pratiquer nos dînes. Et ça, encore une fois, c'est un principe que l'islam impose moi-même avant comme un simple citoyen. Donc, tout le devoir qui m'a dit, ce n'est pas un devoir qui m'a venu, je cause le même bar, je m'attends 10 mounes pour implémenter, je croise des bras, je vais dans 5 ans, je vais résoudre. Non, l'islam qui m'a même dans mon vie tous les jours, dans mon la 15, dans mon business, là aussi, mais dans ma zid, je pratique ce bon principe-là. Et par rapport à liberté pour pratiquer religion de ou choix, liberté de conscience, encore une fois, c'est un principe islamique. La ikraha fi din, pays n'a aucune contrainte dans la religion. Avant ça, Allah est le mot même, ce qui fait attention. Tu n'as aucun droit pour dire à ton voisin chrétien que tu as besoin d'un moins chrétien pour me reconnaître ton droit comme voisin. Tu n'as aucun droit pour dire à ton voisin hindou que toi, tu as besoin de montrer toi moins hindou
pour être capable de reconnaître tes droits comme voisin, non. Au contraire, c'est à travers sa voisin-là qu'il y a pour me dire qui quand je suis fidèle envers moi en principe. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut être iman, nous entendons ça plus que 55 fois, il peut être iman, c'est lui qui est dormi plein, alors qu'il soit voisin, il peut être vide. C'est interpelle aujourd'hui 10 000, 12 000 pratiquants dans pleine verte qui nous, Alhamdulillah, nous avons l'auto, nous avons la case, nous faisons Umrah tous les années. Fais attention, si quelque part dans Rosebois, et des enfants pédos vivant vides, ça, nous avons mettre un point d'interrogation dans nos compréhensions de l'islam. Et par rapport à liberté de culte, c'est qui, pareillement, c'est qui, mon matin, pareil, comment, qui, jamais, mon goudiman, un voisin, tu avez une moins hindou ou moins chrétien pour reconnaître tes droits comme voisin, c'est qui, mon matin, qui, jamais dans sa pays maurice là, pas mettre aucun la loi qui dit à moi, tu as besoin de moins musulman pour te montrer toi plus mauricien. Tu as besoin de faire ton madame tirer son voile. Tu as besoin capable de diminuer ton man au port d'air pour Djumma. Tu as besoin de diminuer ton man au port d'air pour Azan. Tu as besoin capable de laisser des états Djumma traverser pour te montrer toi plus mauricien. À aucun moment, je ne peux pas accepter qu'il dit à moi, je vais montrer moi moins musulman pour me paraître plus mauricien dans le regard de l'autorité. Je me demande qui s'attire à appel là, il devient bénéfique pour nous-mêmes. Ce que nous touchons, c'est la définition leadership musulman. Nous sommes à travers l'histoire, comment ça leadership là, nous sommes en évolution. Nous causons l'existence, un leadership parallèle, en dehors du Parlement, qui si nous organisons, nous faisons abstraction de nos divergences, nous servons maturité, l'intelligence, nous organisons, nous pouvons structurer, nous pouvons être 10 000 fois plus efficace qu'un leadership politique. Nous donnons l'exemple. En même temps, c'est que nous avons un devoir. Nous avons un devoir, il commence par nous devoir en privé, c'est nos présences dans la masse Fajr, 5h moins 20 du matin. En même temps, dans l'espace public, nous avons nous devoir avancer, devoir pour donner sa société là. Ce qu'il nous propose, ce qu'il nous offre, ce qu'il nous promet à la société mauricienne aujourd'hui, c'est une société qui a la dignité pour tout le monde. Et tout ban qui est victime, discrimination, l'injustice, passe-droit, c'est nous ban ça. Nous vous travaillons pour ce ban du monde là, c'est parce que c'est une exigence de nous la foi. En même temps, ce qui nous guette, ce qui après nous doit, après nous devoir, c'est nos droits. Ce qui nous, ce qui doit attendre de nous ban députés qui doivent veiller à ce qui nous ban droits, nous ban acquis, surtout par rapport à Jumma, Hijab, Kurbani, Azan, tu ban acquis là, préservé, qui personne. بافين في مونسونداز لو سبان ايتملا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وفي افغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي الهند وفي الصين وفي اليمن وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة